Mon premier match EuroLeague avec le Partizan. Super-héros préféré. Je sais même pas, je me rappelle. Je regardais pas trop les films de super-héros. Alors pour les infos, rigoler et tout, je suis plus Twitter. Moi, je l'utilise un peu comme information pour savoir un peu l'actualité. Instagram, moi j'aime bien Instagram aussi. Après Facebook, j'utilise pas trop. C'est plus pour discuter avec ma mère parce qu'elle est encore elle est encore à l'ancienne. Bonne question. Je pense que j'aurais fait des études. Parce que mon père voulait que je fasse des études, mais après, j'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. Je crois que c'est Nadia et c'est parti pour le show. Alors, je vais mettre. Ah, c'est une bonne question, j'avais pensé. Je vais mettre Bogdan en 1, Bogdan Bogdanovic, avec qui je joue au Partizan. En 2. Putain, c'est relou. Il y en a, ils vont avoir le seum quand ils vont voir la vidéo. En 5, je mettrai Mame Jaité. C'est l'un de mes meilleurs potes. En 4, je mettrai Geoffrey Lauvergne. En 3, je mettrai Sacha Pavlovitch, avec qui j'étais au Partisan. Et en 2, je mettrai qui? En 1, je mettrai Léo et en 2, je mettrai Bogdan. Marseille, évidemment, allez l'OM. Il y a pas mal de joueurs enfin, j'avais croisé en D-League, donc c'est pas qu'ils m'impressionnent, mais je connaissais déjà leur qualité. J'aime beaucoup Thomas Krebs, Assassin Silencieux un peu, et je pense que dans quelques semaines aussi, il va monter en puissance. franchement, je vais faire un top 3, et je suis dedans. Après, c'est Gabe et Jiraï, c'est des clowns. Ali. C'est moi.